pour les hommes injustes. C'est pour les hommes rejetés. Alléluia. Et j'aimerais que toi ce matin, que tu sois sur le volant à la fois. Je vais te dire quelque chose. C'est difficile de voir un religieux. Marc le chapitre 2, le verset 16. Les scribes et les pharisiens le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est fort. Acte. Ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Est-ce qu'il y a les malades dans l'assemblée? Est-ce qu'il y a les pécheurs? Bien. Acte le chapitre 4. Le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ô grand Jéhovah, qui peut interpréter ta parole, si ce n'est toi-même. Toi qui m'as inspiré ce message, toi qui m'as oint pour ce message, parle à nos âmes, parle à nos âmes, que cela soit ainsi. Amen. Pose asseoir. Le message de ce matin, c'est un message que le Saint-Esprit m'a dit de prêcher. En réalité, j'allais vous donner un enseignement sur nos privilèges. J'avais déjà essayé de noter quelque chose. Et en dormant, le Seigneur va me révéler ceci. Et c'était tellement plus fort que moi. J'ai dit, je laisse ma pensée et je veux prêcher ce message-ci. Le thème de ce matin, le Fils de l'homme, rejeté pour sauver les rejetés. Le Fils de l'homme, rejeté pour sauver les rejetés. Mais acte. Le Fils de l'homme, rejeté pour sauver les rejetés. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a un Jésus populaire qui est accepté par les religieux. Il y a un Jésus populaire qui est accepté par les chrétiens. Et je veux vous dire une chose. Le Jésus populaire ne sauve pas. Mais le Jésus qui sauve, c'est le Jésus rejeté. Je répète, il y a un Jésus populaire qui est accepté par les religieux. Je prends le type de ce Jésus populaire. Le Jésus populaire, c'est le Jésus qui avait multiplié les pains. C'est le Jésus qui multiplie les pains
C'est le Jésus-là qui multiplie le poisson. Et ce Jésus-là, il a 5000 membres dans son assemblée. Dites amen à cela. Et il a ce 72 ministres ordonnés. Je répète, le Jésus populaire, c'est le Jésus qui multiplie les pains, qui multiplie le poisson, et il a 5000 membres. Ce Jésus-là a une grande église. Et ce Jésus-là, c'est un Jésus qui a ce 72 disciples ordonnés. C'est un Jésus populaire, un Jésus accepté par les religieux. Aujourd'hui, les gens prêchent ce Jésus-là, le Jésus populaire. Vous savez, c'est le Jésus que les gens aiment liker. C'est le Jésus de beaucoup de vues. Parce que aujourd'hui, les gens aiment qu'il soit liké. Le Jésus populaire là, c'est le Jésus des réseaux sociaux. Et ce Jésus des réseaux sociaux là, c'est le Jésus de venez, vous aurez le mariage. Venez, vous aurez le visa. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ça, c'est le Jésus qui multiplie les pains. C'est le Jésus là qui multiplie le poisson. C'est un Jésus populaire. Dites amen. En réalité, on ne fait pas la publicité pour Jésus. Jésus lui-même fait sa propre publicité. Donc, il y a un Jésus. Et c'est ce Jésus qui est prêché dans beaucoup des églises. Accepté par les chrétiens. 5000 membres. Vous voyez, qu'est-ce que les gens disent? Oh, notre église a grandi. Hein? Nous sommes 10 000 personnes. Voilà le Jésus populaire. Ah, notre église, vraiment, nous sommes nombreux. Jésus en avait 5000. Et il avait beaucoup de ministres avec lui. Combien? Ce 72 disciples ordonnés. Or, le Jésus rejeté n'a que 11 disciples. Dites amen. Le Jésus rejeté n'a que 11. Parce que Judas l'avait trahi. Mais le Jésus populaire, il en avait ce 72. Bien ordonné. Jésus lui-même reconnaît le ministère. Tu es ordonné. Tu es ordonné. Ah, nous sommes nombreux. On a beaucoup de ministres. C'est le Jésus populaire. Un Jésus qui est beaucoup accepté par la religion. Mon cher ami, si ton Jésus est populaire, vérifie-le. Jésus n'est pas populaire. Dites amen. Si ton Jésus est populaire, vérifie-le. Le Jésus populaire, c'est ce Jésus de multiplication des pains. Et là, les gens ne suivaient pas Jésus pour le salut. Mais suivaient Jésus pour du pain et le poisson. Savez-vous, à cause de cela, ils voulaient faire de Jésus roi. Ils sont partis le chercher pour l'établir roi en Israël. Jésus avait fui dans le désert. Le Jésus populaire là, on va t'amener à faire quelque chose qui n'est pas la parole. Jésus n'était pas venu pour être roi d'Israël. Mais eux, comme ils avaient bien mangé, dites amen. Ils ont bien mangé. Bien mangé. Ils ont dit non, 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 non. Lui, on le met roi d'Israël. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être roi. Et remarquez, mes chers amis, aujourd'hui, les gens pensent que quelqu'un a Dieu, c'est quand tout le monde l'acclame. Mes amis, quand tout le monde t'acclame, il y a un souci. Quand ton Jésus que tu chantes est populaire, il y a un souci. Quand ton Jésus que tu prêches est populaire, il y a un souci. Oui, c'est Jésus, mais ce n'est pas un Jésus rejeté. Or, c'est le Jésus rejeté qui sauve. La pierre angulaire qui a été rejetée était devenue la principale de l'angle. Il faut que Jésus soit rejeté. La parole que je dois prêcher ne doit pas plaire à tout le monde.
monde ne peut pas accepter cela. Moi aussi, j'avais un Jésus populaire. Les années passées, avec beaucoup de ministres, dites amen à cela, avec beaucoup de délivrances, dans tout Brazzaville, à Pau du 7e, c'était un Jésus populaire. Mais le juge apostolique aujourd'hui, il n'est pas le Jésus populaire. Aujourd'hui, c'est le Jésus inhabituel. Parce que Dieu fait des choses inhabituelles. Dites amen à cela. La plupart des gens qui ont servi Dieu, on les a appelés des fous. Des fous. Mets-moi la citation, sortir du camp. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu et ses prophètes et ses messagers, peuple de Dieu, les prophètes et ses messagers, au long de l'âge, qui ont porté son message qui venait de la parole, ils ont passé pour fous aux yeux de ceux de l'extérieur. Noé était un fou aux yeux de ce monde très intellectuel auquel il prêchait. Point. Noé, certainement qu'il était un fou aux yeux de Pharaon. Là, il voulait dire Moïse. Il avait son pied sur le trône et ensuite, il y a renoncé pour une bande de tripoteurs debout. Voilà ce qu'il pensait. Et Jésus était un fou aux yeux des gens. Et tous les autres qui ont œuvré et vécu pour Dieu, ils ont passé pour fous. Ils ont été obligés de sortir du camp où ils étaient. Tu ne peux pas être un homme envoyé de Dieu sans qu'on te traite d'un fou. Or, pour que tu sois traité fou, il faut que les gens voient que tu vas à la rencontre du système établi. C'est là où lui, ici, il parle. Il dit, ils ont passé pour fou. Ils ont été obligés de sortir du camp où ils étaient. Jésus, on l'appelait fou. Est-ce qu'aujourd'hui là, les gens peuvent appeler Jésus, les chrétiens peuvent appeler Jésus du fou? Mais il est accepté par tout le monde. On doit vérifier ce Jésus. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si vous avez le Jésus hier, d'hier, il sera populaire. Mais le Jésus d'aujourd'hui, il n'est pas populaire. Le Jésus d'aujourd'hui doit être traité de fou. Au temps de Frère Branham, Billy Graham, Oral Roberts, à Allen, il prêchait le Jésus populaire. Et William Branham était le Jésus rejeté. Tu es intelligent. À cette époque, William Branham, qui avait de grands miracles, dans son assemblée à lui, il n'y avait que 300 places. Un homme qui pouvait, il demande de quelle couleur de yeux veux-tu avoir? La main coupée, il prie, ça pousse. Mais l'assemblée, 300 places. Billy Graham passait à la télé, populaire aux États-Unis, avec un message de repentance. Un Jésus populaire. Oral Roberts, populaire. Ils étaient en train de faire la publicité des tentes. Qui a rempli telle tente? C'est comme les musiciens d'aujourd'hui. Qui a rempli, comment vous appelez ça? Non, en France là. Zénith, non? Un tel a rempli. C'était comme ça à l'époque de Frère Branham. Mais Frère Branham n'était pas populaire. Il était rejeté à son époque. Dans son assemblée, 300 places. Un peuple rejeté, un prophète rejeté. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Branham populaire, là, surveillez-le. Je répète. Le Branham populaire, là, d'aujourd'hui, surveillez-le. Le tabernacle de 5000 personnes. 10 000. Faites attention. Vérifiez ce Jésus-là. C'est un Jésus qui plaît tout le monde. Ce
C'est le Jésus qu'on aime liker. Jésus de beaucoup de vues. Dites amen. Dites encore amen. Le Jésus de buzz. De publicité. C'est ce Jésus populaire. Le Jésus de multiplication de pain. De venez à le mariage. Venez, vous êtes ceci. Et les gens viennent, pas pour le salut. Ils viennent pour être membres de ces églises-là. De la religion. Mais pas pour le salut. Et quand Jésus avait compris, ces hommes n'étaient pas venus pour le salut. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il devrait maintenant leur apporter les mystères. Si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Alors, là, Jésus prêche la parole pour faire la sélection. Là, ce n'est pas la multiplication des pains. Mais ça, c'est le Fils de l'homme qui prêche son message, qu'il était venu comme le pain de vie. Alléluia! Qu'on devrait le manger et boire son sang pour avoir la vie. Alors, les 70 disciples ordonnés avaient abandonné Jésus. Là, c'est Jésus rejeté. Les 5000 brebis, membres de son tabernacle, de son église, quand il prêcha le mystère, il prêcha le message de son jour, ils ont taillé la zone. Parce que eux, ils se référaient à Moïse. Oh, ce n'était plus le jour de Moïse, c'était le jour de Jésus. Donc il y a un Jésus qui est populaire, qui ne sauve pas. Ce Jésus fait de vous les membres des églises. Fera de vous des chrétiens, supporteurs de la religion, supporteurs de l'église, supporteurs du pasteur. Mais pas le salut. Parce que le salut est dans le Jésus rejeté. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Alléluia! Donc il faut que ce Jésus soit rejeté. Mais notre thème c'est quoi? Le Fils de l'homme rejeté pour sauver les... Pour sauver les... Ce matin, je veux parler à ceux qui sont rejetés. Dites amen. Je veux parler à ceux qui sont délaissés. Parce que les religieux se sont comparés de Jésus. Ils pensent que Jésus est pour eux. Les pasteurs se sont comparés de Jésus. C'est pour eux. Moi, je ne fume pas. Moi, je ne bois pas. Et il dit aux autres là-bas, les prostituées. Il dit les voleurs. Il les appelle comment? Les païens. Mais il ne sait pas que le Jésus rejeté vient pour sauver les rejetés. Marc, mets-moi d'abord Marc. Mais Marc, les scribes et les pharisiens le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise heure? De mauvaise heure? Eux, ils appelaient ces hommes les gens de mauvaise vie. Aujourd'hui aussi, les religieux appellent les gens de la rue les gens de mauvaise vie. Écoutez, hein? C'est que Jésus ayant entendu, qui es-tu pour taxer de quelqu'un, il est perdu. Donc il y a des gens, à cause de la religion, ils se pensent qu'il est supérieur aux autres. Surtout le brenamiste. Le brenamiste pense qu'eux, ils sont au-dessus. Ils pensent qu'ils sont des extraterrestres. Ils n'ont pas compris le message. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Mais les malades, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je peux vous dire une chose. Ceux qui appelaient ces hommes les gens de mauvaise vie, pensant qu'ils étaient justes, ils n'étaient pas justes. Parce que c'est eux-mêmes qui avaient
rejeté Jésus. Et les gens que eux appellent les gens de mauvaise vie, ce sont des gens-là que Jésus ramassa. Et le Jésus rejeté sauve les rejetés. Et si toi aussi tu te prends plus gros que les autres, Keba, l'orgueil personnel. Il est dit dans la parole par le Branham va réprimander les gens de son assemblée. Il dit, oh vous, le diable vous a séduit. Parce que vous trouvez que vous avez de longs cheveux. Et vous vous moquez des femmes qui ont des cheveux courts. Il dit, faites attention, c'est le diable qui vous séduit. Parce que quand tu penses que tu es plus meilleur que les autres, par rapport à tes œuvres, à tes cheveux, parce que tu ne bois pas, parce que tu ne fumes pas, tu te trouves supérieur aux autres. Mon frère, tu es un pharisien moderne. Les esprits des pharisiens sont sur toi. Mais Jésus est venu sauver les rejetés, le Fils de l'homme. C'est pour cela, s'il y a des pécheurs dans la salle, et s'il y a les rejetés dans la salle, le Saint-Esprit m'a inspiré ceci pour toi. Ne te sous-estime pas. Faut pas te sous-estimer. Ne faut pas voir que tu es perdu. Tu es zéro. Non. Dieu va te parler ce matin. Le Jésus là, qui a été rejeté, il sauve qu'il est rejeté. Quand quelqu'un pense qu'il est juste, pense qu'il est bon par rapport à quelqu'un d'autre, il y a un, ça ne va pas. Et souvent, c'est à cause de la religion, à cause de ce qu'on leur prêche. Le Fils de l'homme est venu sauver les malades et les pécheurs. Et le Fils de l'homme est rejeté. C'est le Fils de l'homme qui sauve. Pas le Jésus populaire. Le Jésus de la publicité. Le Jésus des likes. Le Jésus des buzz. Le Jésus de beaucoup de vues. Non. Jésus, à son époque, on l'appelait fou. Il n'était pas populaire. Il était rejeté par les religieux. Le Fils de l'homme était rejeté par les Juifs. Après avoir été rejeté par les Juifs, il vient maintenant sauver les hommes des nations qui étaient les rejetés. Je répète. Le Fils de l'homme, nous, on était rejetés par les Juifs. Les Juifs nous appelaient des païens. Un Juif ne pouvait pas manger avec un homme de nation. Non. Ça empêchait de manger avec un homme de nation. Ils n'avaient même pas droit de rentrer dans la maison d'un homme de nation. Jusqu'à nos jours, les Juifs orthodoxes ne peuvent pas manger avec un Juif, un homme de nation. C'est un péché. On nous appelait des païens. C'est pour cela. Jésus, rejeté par les Juifs, est venu sauver nous qui étions rejetés par les Juifs. Le Fils de l'homme, rejeté par les Juifs, vient sauver les hommes des nations rejetés par les Juifs. Ok. Un jour, Jésus avait quitté Israël. Pourquoi? Il devait passer par la Samarie. Rejeté. Il avait même pleuré sur la montagne des Oliviers. Oh, Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois puisse-je vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Jésus pleura sur la montagne des Oliviers parce qu'il était rejeté par Israël. Et Jésus pleura sur la montagne des Oliviers. Était l'antitype de David qui était rejeté par Israël, le roi rejeté.
Et ceux qui avaient soutenu David, c'étaient les hommes des nations. Quand David disait, ah, l'eau de Bethléem, si je pouvais avoir ce taux-là, les guerriers ne voulaient pas le voir avoir soif. Ils ont dégainé leur épée. Ce n'étaient pas des juifs qui étaient tout autour de David, mais c'étaient les hommes des nations. Et ils sont partis chercher de l'eau pour donner à David. Et quand Jésus était venu, lui aussi pleura sur la montagne des Oliviers, sur Israël. Et lesquels, aujourd'hui, qui sont tout autour de Jésus, les hommes des nations. Comme le frère Bateta. Quand il a un désir, je prends mon épée. Je peux avoir mon inspiration. Mais quand lui, il a besoin de dire quelque chose, je change la prédication. Et nous, les hommes des nations, on était rejetés. Mais c'est nous que Jésus-Christ a sauvés. Vous allez comprendre. Ne vous en faites pas. Alors, il passa par la Samarie, rejeté par Israël. Il y avait une femme, la femme samaritaine, rejetée par les églises de Samarie. Gloire à Dieu. Toutes les églises de Samarie l'appelaient prostituée. On pouvait faire des prédications sur la femme samaritaine. Vous, nos filles, ne ressemblez pas à cette prostituée-là. Vous irez au ciel. Elle n'ira pas au ciel, elle est perdue. C'est une prostituée. La femme samaritaine ne pouvait pas se convertir avec la tradition des sacrificateurs de ce jour. Le message que ces hommes prêchaient, c'était un message passé. Et cela ne pouvait rien faire. Parce qu'elle était la semence du midi. Elle n'était pas la semence du matin. Elle continua dans la prostitution. Rejetée. Amen. Oh, les filles vierges venaient au puits de Jacob le matin. Les vierges ne cohabitaient pas avec les prostituées ou les gens de mauvaise vie. Les prostituées venaient à 11h. Mais les vierges, très tôt le matin, ils travaillaient. Elle viendra au puits de Jacob à 11h. Jésus n'était pas venu le matin là où il y avait les vierges. Parce qu'il n'était pas venu pour les justes. Il était venu pour les pécheurs. Ah, c'est fort. Mais vous allez me comprendre. Il ne vient pas le matin, mais il vient à 11h. La femme samaritaine vient aussi à 11h. Ils se rencontrent, deux rejetés. Jésus, le fils de l'homme, rejeté par les juifs. La femme samaritaine, rejetée par les religieux. Dites amen à cela. Et ils se rencontrent au puits de Jacob. Alléluia. Au puits de Jacob, un puits passé. Parce que Jacob était un messager passé. Mais les deux se rencontrent là. Et ça vient. C'est pour cela, nous nous rencontrons aussi. Alléluia. Devant la Bible. Et les pécheurs. Et Jésus qui prêche devant la Bible. Mais écoutez-moi très bien. La lumière, c'est quand la parole sera manifeste. Il faut que les écrits s'y quittent ici. Que ça devienne un homme. Et c'est ça qu'on appelle la lumière du monde. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. La prostituée, rejetée par les églises, rejetée par les religieux, condamnée qu'il ira en enfer. Jésus, rejeté par les religieux. Les deux se rencontrent au puits de Jacob. Le fils de l'homme, rejeté pour sauver les rejetés. Il voit cette femme, donne-moi à boire. La femme réplique, entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Tu es juif, nous sommes samaritains, pas de relation.
On rentre maintenant dans le mystère de tribu. Le mystère du pays. Le mystère du coin. Je vous avais dit ceci. Quand vous reconnaissez le temps, qu'il soit un blanc, qu'il soit un noir, qu'il soit un jaune, qu'il ne soit pas dans le branamiste. Quand vous reconnaissez un temps, soutenez-le. Écoutez-le. Dites amen. Parce que cette femme ne pouvait pas penser que le salut viendrait des Juifs. Et cette femme va dire, il n'y a pas de relation. Or, son salut vient de ce pays, de cette tribu qu'elle lui rejette. C'est pour cela, ne soyez pas tribaliste. Ça, c'est la chair qui est née. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre. Jésus dit, si tu connaissais le don et celui qui te parle, tu allais me demander à boire. Vous voyez? Jésus parle maintenant du don. Reconnaître le don et celui qui te parle. Toi, tu allais me demander à boire. Tu n'as rien à puiser. Il dit, l'eau que je te donnerai, jaillira dans ton sein. Donne-moi cette eau. Pendant ce temps, les pharisiens, les sacrificateurs, appelaient Jésus Belzéboul. Démon. Mais cette femme va reconnaître le Messie de son jour. Pourquoi? Parce qu'elle avait quelque chose en elle. Bien que rejetée par les sacrificateurs, mais à l'intérieur d'elle, elle avait la semence. Ne regardez pas la forme extérieure. Il y a la forme et le fond. Le fond, c'est autre chose. La forme, c'est autre chose. Quelqu'un peut avoir la forme de la piété, mais il renie ce qui fait la force. Il rejette la parole, mais la forme extérieure, surtout le branhamiste. Je lis frère Branham, mais je m'attaque au branhamiste. Pourquoi? Parce que l'esprit de la religion, pensant qu'ils sont supérieurs aux autres, Ça devient un Jésus populaire. Frère Branham n'était pas populaire. Mais comment aujourd'hui Branham est populaire? Hier, ça ne va pas. Si aujourd'hui Branham est populaire, hier, ça ne va pas. Non, monsieur. Et cette femme va reconnaître le don. Alors Jésus va dévoiler sa vie. En dévoilant sa vie, cette femme avait cru. Il dit, quand le Messie viendra, Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Elle a abandonné la cruche. Elle a abandonné le puits de Jacob. Elle avait abandonné la prostitution. Elle est partie dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ne serait-il pas le Messie? Maintenant écoutez, une nouvelle triste. Cette femme était tuée par les religieux. Pourquoi? Elle faisait trop du bruit au sujet du Messie. Et les églises ont dit, sinon nos églises vont vider. La chose qu'on doit faire, on va la tuer. Et elle était tuée. Et je vous dis, les religieux sont capables de faire tout pour garder leurs églises. Leurs intérêts personnels, les églises, s'ils voient que son église est menacée, il peut même partir consulter un démon pour garder son église. On a tué cette femme-là. Mais je vous dis, cette femme est partie au ciel. Elle était rejetée, mais Jésus était venu pour elle. Jésus rejeté vient sauver la femme samaritaine qui était rejetée. C'est pour cela, toi ce matin, qui pense que tu es rejeté, tu es fini, il n'y a plus d'espoir. Jésus, le Fils de l'homme, est venu pour toi. Lui, le rejeté, vient sauver les rejetés. Et cette femme avait quelque chose de Dieu en elle. Malgré la prostitution. Mais elle avait quelque chose en elle. Et Jésus, étant médecin, était venu pour cette femme qui était malade.
Mais le Jésus populaire, c'est vous multipliez les pains et les poissons, avoir 5000 membres. Mais le Jésus rejeté, c'est pour votre salut. Le vrai Jésus, la parole, lui, le Fils de l'homme, il ne vient que pour le salut. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Dites encore amen. Je peux vous aider? Tu es Jésus? Crois-tu que tu es Jésus? Est-ce que tu le crois? Bien. Tu peux manger avec les gens de mauvaise vie. Oh. C'est ça la religion. Si tu es Jésus, tu es la parole, tu ne vas pas tomber. Ce n'est pas eux qui vont t'attirer, mais c'est toi qui vas les attirer. Ceux qui ont peur de rester avec les gens de mauvaise vie, ce ne sont pas des Jésus. Jésus n'a pas peur. Parce qu'il sait qu'il vient du ciel, il repartira au ciel. Mais les religions ont peur. Si tu es... Natanga. C'est ça, le tabernacle. Quand te voit Solomon manger avec quelqu'un de mauvaise vie, on te rejette. Même quand Jésus, on lui avait lavé les pieds, c'est Marie de Magdala. Les prophètes étaient là. Les sacrificateurs. Oh, mais s'il était prophète, il saura que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Jésus avait discerné dans son cœur. Il lui dit, Simon, je peux te poser une question? Oui, vas-y maître. Il y avait un homme qui était riche et deux personnes le devaient beaucoup. L'un avait peut-être la dette de 500 000, l'autre 2 500 000. Et l'homme là va dire, je vous laisse cet argent-là. Faites comme vous voulez, je vous laisse cet argent. Lequel des deux qui va plus aimer ce chef-là, ou ce patron, ou ce maître-là? Simon dit, celui qui avait une grosse dette. Jésus lui dit, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas changé la tunique. Mais cette femme que vous appelez de mauvaise vie, elle ne fait que pleurer aux mêmes pieds. Elle a lavé même mes pieds avec sa chevelure. Je te dis, Simon, ses péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qui avait fait que Simon parle comme ça? C'est la religion. La religion vous amène à voir les autres comme s'ils ne valent rien. Mais quand vous allez sortir de toutes ces religions, vous vous faites disciples de Jésus. Dites amen à cela. Et vous ne comptez que sur ce que lui il a fait. À ce moment-là, tu te mettras à la place des autres. Tu ne vas pas critiquer les gens. C'était Jésus hier. C'est Jésus aujourd'hui. Ça sera Jésus éternellement aussi longtemps qu'il y aura un besoin de guérison. Il y aura un Jésus pour guérir. Aussi longtemps qu'il y aura un pécheur à sauver, il y aura un Jésus pour le sauver. C'est lui. Donc ce matin, il doit aussi avoir un Jésus. Après demain, il y aura un autre Jésus. Si quelqu'un est malade, il y aura un Jésus qui va le guérir. S'il a besoin du salut, un Jésus qui va le sauver. Et ce Jésus n'est pas populaire. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. La demeure future. Maintenant, remarquez bien, il est venu pour être un rédempteur. Pas vrai? Que veut dire racheter? Ramener. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le sacrificateur? Lui n'a jamais été là-haut.
vous voyez, vous voyez. Il n'avait pas de représentation. Il est venu racheter ceux qui étaient déchus par la chute. Ça avait été gâché pour cette fille. Mais Dieu l'avait dans sa pensée avant la fondation du monde. Et il est venu la purifier. Voyez. Alors, il trois points. Elle avait la vie éternelle. Voyez. Alors que le sacrificateur, qu'est-ce que ça lui a fait? Ça l'a renvoyé tout droit à sa destination. Il n'avait rien au départ. Rien qu'une instruction intellectuelle. Cette femme qui était prostituée, elle avait une représentation. Ne jugez pas les gens. Tu ne connais pas ce qu'elle a. Le sacrificateur qui rejeta Jésus, lui, il n'avait pas une représentation. Il n'était pas là-haut. Lui, il rejette. Mais celle qui était prostituée, une femme de mauvaise vie, elle avait quelque chose en elle, une représentation. Et Jésus était venu racheter cette chose-là. Ah, dites amen à cela. Et mon ministère a atteint son niveau de Jésus. Moi, je ne cherche pas la masse. Je m'en fous de la forme. Mais je regarde le fond. Est-ce qu'à l'intérieur de la personne ici, il y a quelque chose? Dites amen à cela. Est-ce qu'elle a une représentation? Parce que le rejeté ne vient que sauver les rejetés. Alléluia, alléluia. C'est ceux qui sont rejetés. Les hommes de nation rejetés. Mais Jésus nous a sauvés. Alléluia. La femme samaritaine rejetée. Jésus rejeté sauva cette femme. Alors écoutez mes chers amis. Ce matin, cette femme est au ciel son baptême. Elle n'était pas baptisée, mais elle est au ciel. Elle était purifiée. Le fait de reconnaître le Jésus de son jour. Toi aussi, tu dois reconnaître le Jésus de ton jour. Pour avoir la purification de ton âme. Si il y a quelqu'un qui est perdu, il y a un Jésus pour le sauver. S'il y a quelqu'un malade, il y aura un Jésus pour le guérir. On ne va pas voir l'homme Jésus avec la barbe et tout. Non. Jésus-Christ, le Logos. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais il change de forme. Il peut prendre la forme d'un homme chauve. Après, il prend la forme d'un homme noir. Après, il prend la forme d'une femme. C'est toujours Jésus. Le grain de blé qui est tombé, quand ça arrive à la maturité, il y a beaucoup de grains. Le seul Jésus qui était tombé, mais quand on arrive au temps de la moisson, nous avons beaucoup de Jésus. Il n'y a pas seulement Jésus Branham. Non. Toi aussi, tu es Jésus. Nazongue la citation. Toi aussi, tu es Jésus. C'est pour cela, s'il y a un malade, c'est toi qui vas écouter la preuve de sa résurrection. C'était Jésus hier. C'est Jésus aujourd'hui. Autant de frère Branham aujourd'hui. Ça sera Jésus éternellement. Longtemps qu'il y aura un besoin de guérison, il y aura un Jésus pour guérir. Aussi longtemps qu'il y aura un pécheur à sauver, il y aura un Jésus pour le sauver. C'est lui. Mais ce Jésus n'est pas populaire. Et dites amen. Dites encore amen. Il n'est pas populaire ce Jésus. C'est pour cela que je vérifie. Vous savez, il y a un frère qui m'avait sollicité. Mon fils, dans le ministère, il est beaucoup vu dans le monde. Beaucoup.
qu'il a son studio, il fait des histoires, il prêche, il donne les annonces. Il me dit, papa, juge, toi, avec le ministère que tu as, pourquoi tu veux toujours sur le monde, dans un petit coin comme caché? Mais nous pouvons faire le thème, par exemple, sur le royaume. Tu viens démontrer. Nous fais le thème pour ceci. Le monde entier va te connaître. Toi, tu es un ministère grand. Il m'a comparé avec un pasteur à la RDC qui est beaucoup connu. Il dit, je t'attends. Viens, on va faire des émissions. Tu seras beaucoup vu, beaucoup de K, beaucoup de M, beaucoup de G, beaucoup de vues. On me demande quelque chose, que le monde puisse m'écouter, que le monde puisse me voir. Mais celui qui est ici ne m'a pas convaincu. Autant de frère Branham, Billy Graham passait à la télé. Mais frère Branham ne passait pas à la télé pour prêcher. Et il nous dit, l'évangile n'aura pas du succès par le moyen de la télé. Neville passait à la radio, mais après, ils avaient même arrêté ça. Jésus populaire surveillait ça. Savez-vous que Jésus n'était pas venu pour sauver le monde entier? Les gens se trompent, hein? Jésus n'était pas mort pour sauver le monde. Jésus était mort pour les élus. Il était venu racheter ceux qui avaient la représentation. Donc, tu peux avoir la foule, 10 000 personnes, il n'y a que deux élus. Et mon ministère à moi, c'est à la recherche de ceux qui ont la représentation. Dites amen. Et souvent, ceux qui ont la représentation sont rejetés, sont négligés. Qui pouvait croire? Mes amis, on lit la Bible comme un roman. Vous croyez aujourd'hui que la femme samaritaine est partie au ciel parce qu'elle avait cru à Jésus. Mais les gens de ce jour-là, quand elle était morte, ils ont dit qu'elle est partie en enfer. Parce qu'elle avait une mauvaise vie. Mais la chose en elle avait reconnu la parole de son jour. C'est pour cela, moi je fais confiance à ce qui est à l'intérieur. Peu importe comment je vais crier, peu importe comment je vais prêcher, mais s'il y a une représentation, ça va faire tout. Amen. Dans la demeure future, il dit, si vous sentez quelque chose qui est en train de picoter, c'est votre attribut qui veut se manifester. Quelque chose picote. Alléluia. Ah, j'allais donner un témoignage, mais il ne m'a pas permis de le faire. J'allais vous parler d'un papa qui avait rejeté toutes les églises dans sa vie. Mais il ne m'a pas permis ça. Écoutez, Jésus était parti en Judée. Il vivait avec Lazare. Lazare, c'était l'ami de Jésus. C'est même Lazare qui avait amené Jésus aux eaux du baptême. Lazare va dire à Jésus, bon, mon ami, nous allons aujourd'hui partir écouter un peu Jean-Baptiste, c'est notre pasteur, mais lui n'a pas d'église. Il prêche au bord du Jourdain, donc on doit être à temps parce que lui, il vient très tôt. Jésus dit, ce n'est pas un problème. Parce qu'il baptise les gens, la ligne vraiment, donc il faut vraiment. Jésus dit, il n'y a pas de problème, on va partir. Lazare et Jésus, les deux au Jourdain. Lazare ne savait pas que son ami là, c'est lui l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Lui, il le prenait comme son ami, hein. Ça dépend de ce que vous voyez quand vous regardez. Ils arrivent au Jourdain. Ce n'est pas Lazare qui avait vu. Jean-Baptiste, il voit Jésus. Il voit la colombe descendre. Jean-Baptiste voit Jésus s'avancer. Il tremble. Il dit, je ne suis pas digne de délier tes souliers. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit, non, laissons accomplir toute justice. Lui, il avait vu ce qu'on lui avait enseigné dans le désert des années. Donc toi, tu peux voir quelque chose, mais celui qui est à côté de toi, il ne voit rien. C'est comme le... Alléluia. Le tonnerre, bouh! Les autres ont écouté, mais toi, tu n'as pas écouté.
Dès qu'on avait baptisé Jésus, la colombe rentre. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'était pas facile à croire. Mais en Judée, Jésus était rejeté, abandonné. Et Lazare et Marie et Marthe étaient du village appelé Béthanie. Jésus était là. Tellement qu'il était trop rejeté, il va dire à ses disciples, allons-y. Ils ont quitté. Ils ont laissé Lazare avec ses deux sœurs. Il arrive quelque part. On lui envoie un message. Il dit, ton ami, Lazare, que tu aimes, est malade. Jésus ne revient pas. Il continue sa route. On envoie un deuxième message. Ton ami Lazare est à l'hôpital, à l'agonie. Il ne vient pas. Il continue. Et après, quand il avait appris qu'il est mort, c'est à ce moment-là qu'il va dire à ses disciples, retournons là-bas en Judée. Les disciples, oh maître, mais là-bas on t'a rejeté. On a voulu même te lapider. Est-ce qu'on doit repartir? Il dit, repartons là-bas. Notre ami Lazare dort. Ils ont dit, s'il dort, il va se réveiller. Allons, continuons, maître. Il dit, repartons là-bas. Vous ne comprenez pas mon langage? Notre ami Lazare est mort. C'est là où Thomas va dire, allons-y mourir avec lui. Pourquoi? Il se disait, comme Jésus, on allait le tuer. Quand on va arriver là-bas, on va nous tuer. Maintenant, écoutez, rejeté, il repart. À quel moment? Quand Lazare est mis dans la tombe pendant 3 jours. Et il arrive le 4e jour. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Peut-être que la famille t'avait rejeté. Mais le Fils de l'homme est venu pour toi, pour te sauver, toi qui es le rejeté. Il va revenir, il revient là où on l'avait rejeté. Pour venir faire quoi? Ressusciter quelqu'un qu'on a jeté dans la tombe. Il se tient debout. Vous l'avez mis où? Ils ont dit quoi? Il dégage déjà. Je te le dis, même si on dit que tu dégages, dites amen à cela. Jésus est venu pour ceux qui dégagent, ceux qui n'ont plus d'espoir, ceux qui sont abandonnés, rejetés. Il ne vient pas quand tu es malade. Il ne vient pas quand tu es hospitalisé. Mais il était venu quand on l'a mis dans la tombe. Et ce matin, je te dis, dans n'importe quelle tombe qu'on t'avait mis. Alléluia! Même la religion, c'est une tombe. Il y a beaucoup de tombes. La religion, c'est une tombe. Dites amen à cela. Mais Jésus est venu pour toi. Toi qui n'as plus d'espoir. Hey, man! Oh, il dégage. Il dégage pour vous, il dégage. Mais moi, je veux le ressusciter. Il dit seulement, Lazare, sors. La voix. C'est là où nous sommes, au temps de la voix. Au commencement, c'est la voix qui parlait. Que la lumière soit, et la lumière fut. Écoutez, mes chers amis, Jésus vient toujours séparer. Dans Genèse, il y a eu la séparation. La parole sépare la lumière et les ténèbres. Le message de l'heure sépare la lumière et les ténèbres. Dites amen à cela. Dieu, depuis la jeunesse, il sépara. Et ce matin, c'est pour toi aussi. Qui as rejeté, qu'on a mis dans la tombe. Tu penses que tu dégages. Tu n'as plus d'espoir. Tu es désespéré. Mais Jésus vient pour toi. Il vient pour toi. Il ne vient pas pour les justes. Il ne vient pas pour ceux qui sont en bonne santé. Mais il vient pour ceux qui sont malades. Oh, gloire à Dieu sur la terre. Dites amen. Toi aussi, même si
On dit que tu dégages. Tu es fini. Tu n'as plus d'espoir. Tu ne peux pas progresser. Alléluia. Tu ne peux pas réussir. Tu es bloqué. Tu es dans une tombe. C'est maintenant que le Fils de l'homme revient pour faire sortir celui qui est rejeté, qu'on a mis dans la tombe, de sortir de la tombe. Tu sortiras de ta tombe. Je répète, tu sortiras de ta tombe. Le péché aussi, c'est la tombe. Dites amen à cela. La tradition, c'est la tombe. Tout ce qui t'empêche de vivre la parole, c'est une tombe. Sors de la tombe. Sors de la tombe. Alléluia. Je prêche à celui qui est désespéré, à celui qui est rejeté. Mes amis, c'était une simple voix. Si la prière de votre frère Bateta a chargé la batterie, non, je dis même la prière, la salutation, savez-vous, il y a une sœur ici, je ne donne pas son nom. Pendant que je prêchais, le vendredi, le dernier jour là, elle, la voix lui avait dit, va saluer le juge. Elle a eu honte. Parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire ça comme d'autres sœurs qui courent. Elle a eu honte de venir me saluer. Et c'est là où la batterie était déchargée. La voix dit aussi à Épée, va le saluer, la batterie sera chargée. Il vient me saluer, la batterie chargée. Maintenant écoutez, la même voix va lui dire, tu vas saluer le juge à la fin. Parce qu'elle se disait, ah vraiment, j'ai perdu. Vous savez qu'il y a un frère qui a failli me tuer le jour-là. Il est venu, il m'a attrapé, il m'a coincé, il m'a serré. Comme j'étais déjà essoufflé, l'onction l'a saisi pour l'enlever. Il fallait enlever ses mains. Tellement qu'il y avait l'onction, on lui a enlevé, il est parti là. Maintenant, écoutez. La même voix qui avait dit à la sœur, va saluer le juge. C'est la même voix qui avait dit à Épée de venir me saluer, la batterie qui était déchargée, jusqu'à nos jours, chargée. Sans que ça soit branché avec le courant. Le courant de Dieu est plus que le courant naturel. La main d'un frère a chargé la batterie. C'était une énergie. Je pouvais prier, la planche qui ne peut pas être électrifiée était électrifié. Et quand je te dis tu sortiras de la tombe, tu sortiras de la tombe. Le Fils de l'homme est venu pour toi. Alléluia. C'est pour cela moi j'aime la liberté de l'esprit. Ce que l'esprit te dit de faire, fais-le. N'ayez pas honte. Si il te dit de courir, cours. Saute, saute. Ne sois pas désespéré. C'est pour toi. La tombe ne peut pas te garder là où tu es. Et j'ai un slogan. Si longtemps on vit, il y a de l'espoir. Je répète, tellement que j'ai de l'expérience avec Dieu. J'ai vu des gens abandonnés. Qu'on a dit c'est fini, c'est fini. Il faut qu'on l'amène peut-être chez les prêtres quand tu fais le travail pour qu'il puisse travailler. Mais j'ai dit, s'il ne travaille pas, Dieu ne m'a pas envoyé. La personne travaille, il construit des maisons, il a l'argent. J'ai vu des gens qu'on a dit, ils ne peuvent pas se marier. Mais, le fait de prononcer la parole, j'ai dit, ça va se marier. Ce mur-là va tomber. La personne se marie. C'est pour vous dire quoi? S'il y a un malade, il y aura un Jésus qui sera là pour le guérir. Si, dites amen à cela. Dites encore amen. Croyez que Jésus est venu pour toi qui es rejeté. Mais il faut que ce soit un Jésus rejeté. Nous allons arriver à ce Jésus rejeté. Quand le ministère de Jésus était arrivé à la fin où tout le monde
de son ministère, rejeté par les religieux. Ton dernier ministère, c'était quoi? La croix. Or, à la croix, le ministère de Jésus était condamné. Le Fils de l'homme, hein, condamné. Et il y avait aussi un brigand. Le brigand aussi, condamné. Ouais. Le Fils de l'homme, rejeté par les pharisiens. Les brigands rejetés. Écoutez. Si c'est nous aujourd'hui, on dirait que le brigand est parti en enfer. Un brigand condamné. Peine de mort. La croix. Jésus était là à la croix. Mes amis, les gens croient le ministère de la croix facilement. Écoutez. Le Fils de l'homme. Vous pensez que le Fils de l'homme, son ministère, son dernier ministère, écoutez ce que la Bible dit. Jean 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pour faire quoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternel. Merci Seigneur. Le Fils de l'homme doit être et voilà, cette fois-ci, ce sont des rejetés, mais qui doivent exercer leur réunion entre le ciel et la terre. Le voleur à la croix, il était crucifié entre le ciel et la terre. Le Fils de l'homme entre le ciel et la terre. Élevé. Maintenant, qui va croire à cet homme qui est nu à la croix? Que Dieu bénisse ceux qui ont mis ce petit truc pour garder sa nudité. C'est le respect seulement. Mais il était rejeté, crucifié à la croix, nu. Et qui a accepté pour la première fois la croix? Qui avait cru le ministère de la croix le premier? C'est le brigand. C'était pas Pierre. Les pierres avaient taillé la zone. Les gens avaient taillé la zone. Et puis tu comprends maintenant? C'est quoi aussi mon ministère était crucifié? Que le pharisien a cru ce ministère. C'est pour cela que je l'appelle aussi le voleur de la croix. Condamné, mes chers amis, entre le ciel et la terre. La réunion n'était plus une réunion terrestre. Savez-vous que ce brigand avait un ministère? Ce brigand avait un ministère. Donc tout ce temps qu'il volait, qu'on le mettait en prison, tout ce temps, il avait le don. Ne pense pas que tu es plus meilleur que les prisonniers. Ne pense pas que tu es plus meilleur que les prisonniers. Oh, attaché à la croix, Jésus m'a sauvé. Tu crois ça parce que c'est le passé? Mais le voleur à la croix va croire ça au moment que tout Israël avait rejeté. Même ses propres disciples. Mais lui, il va exercer son ministère à la fin. Parce que le Fils de l'homme devait être élevé. Comme Moïse éleva le serpent des reins. Et lui aussi, il est élevé. Et il faut croire au ministère élevé. Dites amen à cela. Et ça, c'est le ministère de la fin. La fin. Oh, qui va croire ça? Toutes les églises, crucifiez-le. Le souverain sacrificateur Caïphe, crucifiez-le. Que son sang, mon ami, les gens qui ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. C'était pas facile. Et le voleur à la croix, qu'est-ce que tu as en toi? Pour reconnaître ce ministère. Un ministère rejeté. Et lui aussi, il était rejeté. Les deux à la croix. Oui. J'aime ce genre de ministère. Alléluia. Entre le ciel et la terre. Gloire à Dieu. C'est pour cela que la nuit aussi vient. Alléluia.
C'est aussi le Fils de l'homme qui est élevé entre le ciel et la terre. Il faut aussi les brigands qui croiront ça. Parce que ce n'est pas facile à croire. Mais le brigand, ce n'est pas lui qui a commencé de parler. Les fils de Dieu ne sont pas des blablabla. Les fils de Dieu sont calmes. Mais la sémence du serpent, celui qui est à gauche, c'est lui qui va commencer à parler. Si tu es le Messie, sauve-nous. Et sauve-toi et sauve-nous. Nous avons appris que tu as guéri malade. Sauve-toi et sauve-nous. Il s'est moqué de Jésus. Ce qu'il écoutait, ce que Jésus faisait. Le voleur à la croix, il avait un ministère. Malgré ta condition, tu as un don. Malgré ta position, que les gens te rejettent, tu as quelque chose de Dieu qui n'est pas encore manifesté. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Ne te sous-estime pas. Lui, il va réprimander le voleur qui était à gauche. Il dit, pour nous, c'est justice. Nous sommes des brigands. Moi, je te connais. Un jour, on est parti piller avec toi. Qui ne te connaît pas? Nous avons fait le mal, c'est normal. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qui lui avait appris? Qui lui avait dit ça? Dans quelle assemblée il avait écouté ça? Parce qu'il avait une représentation. Alléluia! Le premier qui avait cru le ministère de la croix, c'était un rejeté. Un brigand, un voleur. Aujourd'hui, la croix est récupérée par les religieux. Aujourd'hui, la croix est récupérée par les hommes justes. La croix est pour les hommes injustes. C'est pour les hommes rejetés. Alléluia. Et j'aimerais que toi, ce matin, que tu sois aussi le voleur à la croix. Je vais te dire quelque chose. C'est difficile de voir un religieux chrétien s'identifier au brigand de la croix. Parce que lui s'est dit qu'il est bon, il est juste. Aujourd'hui, moi, dire que le voleur à la croix, là, c'est moi. On va dire que je ne suis pas vraiment... Mais je vais lire. Ce voleur à la croix va enseigner celui qui était à gauche. Il dit, pour nous, c'est justice. C'est son ministère. Alors, il s'adresse à Jésus. Souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne. Qui lui avait dit qu'il allait revenir? Comment un bandit, un brigand, va connaître que Jésus reviendrait dans son règne? Un ministère rejeté, abandonné. Lui-même aussi, c'était un brigand. Mais comment il a su que c'est Jésus reviendra? Il avait une représentation. Alors Jésus va lui dire, pas quand je reviendrai. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Dites-moi cela. Quand vous reconnaissez la parole de votre jour, le Fils de l'homme de votre jour, ça ne sera pas dans le futur. Ce que Dieu va faire, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, il peut te sauver maintenant. Aujourd'hui, il peut te guérir. Aujourd'hui, il peut te délivrer. Aujourd'hui, il peut t'élever. N'attends pas demain. Quand tu reconnais, c'est aujourd'hui. C'était un rejeté qui a cru au ministère rejeté. Mais c'est entre le ciel et la terre. Mes chers amis, les disciples regardaient de loin. Ils se disent, ah, mais le maître, malgré l'agonie, mais il parle quoi avec ces hommes-là? Parce qu'il était vraiment... Frère Branham dit, personne ne peut mourir comme Jésus était mort. Il était là, l'eau et le sang sont séparés. Fatigué, flageolé, couronne d'épines, la croix qu'il transporta lui-même. Il était là, la coupe qu'il refusait de boire. Mais voilà, malgré que le ministère est à la fin, rejeté par les religieux, abandonné par les pharisiens,
Celui qui est à gauche continue à se moquer de lui. Un fils de Dieu ne se moque pas des autres. Non. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais celui qui était à droite, qui avait un ministère, va parler du bien de Jésus. Et le même jour, ils sont partis au paradis. Un rejeté, mes chers amis. C'est pour cela, mes chers amis, le ministère de la faim, le ministère de condamnation, d'abandonner par les hommes, c'est ce genre de Jésus-là. Si vous croyez à ce moment-là, le ministère de la faim, rejeté. Et si tu crois ça, quelque chose peut se produire. Oh, qui peut dire amen à cela? Frère Branham me dit, je suis le voleur à la croix. Et moi aussi, je suis ce voleur. Citation. Je suis ce voleur. Malgré que tu étais brigand, rejeté. Écoute ça. Et comme c'est bien choisi, celui qui l'a suspendu là, je ne sais pas qui l'a suspendu, mais il l'a suspendu ici, à ma gauche. Il a pardonné au brigand qui était à sa droite. C'est qui? Il a pardonné au brigand qui était à sa droite. Hein? Est-ce que tu peux t'identifier à ce brigand? Tu peux t'identifier? Et s'identifier à ce brigand, c'est le ministère de la fin de Jésus. Rejeté. Alors, je vais terminer en disant ceci. Christ est rejeté selon Apocalypse 3, le verset 20. Je me tiens à la porte. Je suis en train de frapper. Celui qui va ouvrir, je vais rentrer. Il n'est pas dans l'église, mais il est en dehors des églises. Et il est en train de frapper. En dehors du camp des âges. Et c'est là où il est en train de frapper. Pourquoi? Parce que il est aussi rejeté par les Laodicéens. Or, pour que vous puissiez avoir la foi de l'enlèvement, vous devrez aussi sortir des âges comme Jésus. Vous n'écouterez pas les voix de tonnerre dans les âges. Mais vous allez les écouter en dehors des âges. Or Jésus, Apocalypse 3, le verset 20, il est à la porte, il est en train de frapper. Frère Branham me dit, il est en dehors des églises. Il n'est plus dans l'église. Il est rejeté par les religieux. Et il faut aussi que l'épouse sorte de l'église pour le rencontrer. Sortir du camp des âges pour rencontrer Christ. Si vous ne sortez pas, vous n'allez pas le rencontrer. Je répète, Jésus n'est plus dans les églises. Le septième âge de l'église, c'est l'Odyssée. Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte. Je suis en train de frapper. Celui qui ouvrira, je rentrerai. Je serai avec lui et je souperai avec lui. Même ce matin, il frappe à la porte de ton cœur. Il faut quitter les âges. Sortir des âges. C'est là où tu rencontreras Jésus. Et quand tu vas le rencontrer, ça te donnera la foi de l'homme. Ça ne vient pas dans les âges. C'est en dehors des âges. Et ça, c'est rejeté. Et il faut être un rejeté pour croire au Fils de l'homme qui est élevé. Le Fils de l'homme qui est venu avec les anges. Qui va croire à ça? Ce sont les rejetés. Sans les sept tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Or, les sept tonnerres sont révélés après les âges de l'église. Maintenant, vous, pour le voir, vous, pour le rencontrer, vous devrez aussi être en dehors des âges. C'est pour cela, le brigand était en dehors. Jésus est mort en dehors du camp.
et nous aussi, nous sommes sortis de toutes les églises. Nous sommes aussi en dehors du camp. Si vous ne sortez pas, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Écoutez, Jésus n'est pas dans l'âge de Laodicée. Laodicée est aveugle et nu. Ni chaud ni froid. Mais Jésus est dans le huitième jour. En dehors des âges. Qui va croire ça? Ce sont les rejetés. Le frère Batéta s'est rejeté par le tabernacle. Et je peux aussi rencontrer Jésus. Parce que le tabernacle, c'est le septième âge. C'est Laodicée. Je suis dans le royaume est venu. Et qui va rencontrer le royaume, c'est celui qui est dans le royaume. Et à partir d'ici, tout est possible. Amen. C'est pour cela, le pouvoir d'Adam, la batterie chargée. Et si tu veux être chargé, ce matin, tu peux aussi être chargé. Crois au Fils de l'homme. Tu as quel souci? Sors les sept tonnerres. Ce n'est pas les mots de tête. C'est le témoignage à sous de corps. Comme disait, comment on l'appelle? À couper de souffle, comme disait Hermélan. Des témoignages qui dépassent l'entendement. Alléluia! C'est là où nous sommes aujourd'hui. Les tonnerres, ce n'est pas le boiteux à marcher. Ce n'est pas un aveugle à vue. Mais les tonnerres, c'est une énergie. Et une énergie au-dessus des énergies négatives. Même pendant que je suis en train de parler ici, il y a une énergie. C'est l'énergie de Genèse 1. Le pouvoir d'Adam. Écoutez-moi, mes amis. La foi des tonnerres. Je suis sorti. Qui est sorti? Qui est sorti? Écoutez, si vous ne sortez pas, vous ne serez pas enlevé. Pour être sauvé, à l'époque où Jésus était mort à la croix, il fallait partir au-delà du camp. Pas dans le camp, sortir du camp. Là, tu es sauvé. Aujourd'hui, peu de gens sont sauvés parce qu'ils sont encore dans le camp de Laodicée. Sortir du camp, aller au-delà où ceci est rejeté. D'autres appellent sa grosse tête. Ils se moquent de la nuée. Ils injurient les gloires. Mais toi, tu n'injuries pas. Est-ce que tu as vu ses yeux? Tu as vu sa bouche? Tu as vu sa barbe? C'est notre Seigneur qui est là. Là-haut, il est venu faire quoi? Sauver celui qui est racheté. Rejeté. Alléluia. Donner la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, nous avons des témoignages au-dessus des âges des églises. Qui est sorti? Vous êtes sorti? Est-ce que vous êtes sorti des églises? Voulez-vous voir Jésus? Sortez des églises. Veux-tu avoir la foi d'enlèvement? Sortez des églises. Et quand tu vas sortir, on va te rejeter. Et quand tu seras rejeté, tu vas rencontrer le rejeté. Et le rejeté va te chuchoter les mystères. Amen. Le chef-d'œuvre. Elle est retranchée de l'église, du corps de l'église. Elle qui, l'épouse, est retranchée de l'église, le corps de l'église. Elle est retranchée avec son maître pour la même raison. Elle est la parole. Tu ne peux pas être la parole et rester dans les âges de l'église. Tu ne peux pas être la parole et rester dans les dénominations. Non, tu sortiras. Elle est la parole. Tout comme Joseph a été retranché de ses frères parce qu'il était la parole. Et Jésus a été retranché de ses frères parce qu'il était la parole. L'église est retranchée, trois points. L'épouse est retranchée de l'église. Bon, pourquoi les gens continuent? Parce qu'elle est la parole. Voilà encore vos étapes. Un, deux, trois. Voyez-vous? Très précisément. Deuxième citation. Elle reste seule.
Elle reste. Aujourd'hui, on cherche quoi? Venez, l'écuménisme. Venez, on va se rassembler. Nous, les Branham, derrière la maison. Ici, il n'y a pas de Branham derrière la maison. Elle reste seule. Elle reste seule, comme l'époux, rejetée par les hommes, méprisée et rejetée par les églises. L'épouse est dans cet état-là. Je suis l'épouse, mes amis. Je suis l'épouse. Je suis dans cet état-là. Qu'est-ce que c'est? C'est son chef-d'œuvre. Voyez-vous? C'est la parole. À travers laquelle il peut agir. Qu'il peut... Point. Le rejet. Mes amis, Dieu n'a plus de corps que le corps de son épouse rejetée. Si Dieu veut arrêter quelque chose ici, en regardant seulement la voiture s'arrête. Ce n'est pas Jésus qui viendrait Branham, mais c'est les rejetés qui ont compris le mystère des voix des tonnerres, qui ne sont pas dans les âges des églises. Ils sont imbouffables. Ils sont invoutables. Dites amen à cela. Capables de faire tout. Parce que eux, ils ne sont pas dans les églises. Ils sont sortis, rejetés, et ils rencontrent le rejeté. L'âge de l'Odyssée dans les tabernacles, il n'y a pas le débat sur l'âge de l'Odyssée. Pas de dispute. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Toutes les églises du message, l'âge de l'Odyssée, l'âge de l'Odyssée. Mais la nuée, c'est là où il y a un problème. Qui va croire que Christ est revenu dans sa seconde, je n'ai pas dit Jésus-Christ. Pour la première fois, Jean-Baptiste n'attendait pas Jésus. Mais il attendait Christ. Parce qu'ils étaient nés au même moment. Et quand Christ était descendu comme une colombe, c'est en ce jour-là qu'il pointait à cet agneau. Et à sa seconde venue, Christ vient comme comète. Le royaume, dit amen à cela. Et qui veut croire ça? C'est pour cela, vraiment, tout le monde commence à rejeter ceux qui étaient avec frère Bateta. La venue du Seigneur, laissez rejeter. Il faut que les gens rejettent. C'est ça qui sera la parole. Qui vous a dit que Jésus populaire là, c'est le Jésus qui sauve? C'est le Jésus rejeté. Celui qui n'est plus dans l'Odyssée, qui est à la porte et qui frappe. Amen. Même ce matin, il frappe. Écoutez. La plupart des gens sont sortis du monde. Ils sont sortis du monde. Ils ne boivent plus. Ils ne fument plus. Ils ne cherchent plus les femmes de trouée. Ils ne se souillent pas. Ils sont sortis. Mais quand ils commençaient, ils avaient des copines, une mauvaise vie, tout ça. Mais la parole, le message les a fait sortir du monde. Ça, tout le monde a réussi à faire ça. Mais la deuxième partie, sortir de la tradition pentecôtiste, sortir des églises, c'est là où ça doit commencer avec le guide. Comme le guide, il a les intérêts de la boutique avec un Jésus populaire. Ah, dites amen à cela. Un Jésus. Accepté par tout le monde. Mais ce Jésus ici, rejeté, qui va le croire? Mes amis, la croix, vous acceptez la croix parce que c'est passé. Le voleur à la croix, si on l'a mené aujourd'hui, il croira ça. Il va croire ça. Parce que ça, c'est en dehors du camp. Et toi aussi, si réellement tu as une représentation, tu croiras ceci. Le dernier ministère
de William Branham, c'est le troisième pôle. Le premier ministère de William Branham, c'est la guérison. Deuxième ministère de William Branham, la prophétie. Le troisième ministère de William Branham, c'est l'ouverture de la parole. Maintenant, écoutez-moi très bien, je vais terminer par ceci. Quand Jésus exerça son ministère sur la terre, beaucoup de gens croyaient. Mais son dernier ministère, c'était la croix. Qui avait cru ça? Le rejeté, le brigand à la croix. Frère Branham, quand il a commencé à prêcher, son ministère, Durban, Bombay, beaucoup de gens, beaucoup de guérisons. Tout le monde venait. C'était un Jésus populaire. Mais quand Branham rentre dans la constellation de la nuit, il sort, il vient prêcher les sceaux, les mystères du plan de la rédemption. Là, la majorité ont rejeté. Et ceux qui ont rejeté, ce sont des vierges folles. Je répète. Quand il y a eu le cri de minuit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les sages et les folles étaient dans un même lieu. Ce n'était pas en dehors. Et le cri de minuit, c'est ça. Et qui crie? C'est William Branham. Voici votre époux, allez à son. Et lesquels qui étaient partis? Les sages. Et l'huile dans la lampe, donc question et réponse sur la jeunesse, il dit c'est la foi des tonnerres. L'huile dans la lampe, c'est la foi des tonnerres. Donc, dites amen à cela. Donc, cette chose ici vous donne l'huile de l'enlèvement. Une foi qui dépasse. Vous savez, vous devrez vanter Jésus. Allez-y. Ah, mais vous êtes intelligent. Vous devrez vanter Jésus. Et nous n'allons pas l'inventer de ce qu'il n'a. Bien. Aujourd'hui, toi, tu peux vanter Jésus de ce qu'il a chargé. Une batterie déchargée. Ah. Ah. Oh, le bâton. Oh, le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron. Une nuit. Ici, pas une nuit. Quelques secondes. La batterie chargée. C'était quoi? Je parlais du pouvoir. Hein? Et c'est ça, mes amis. Sortez. Allez au-delà du camp. Sortez du camp des âges. Allez rencontrer Christ, les voix des tonnerres. Vous savez, la dernière chose que nous allons faire avant le départ. La dernière chose, ceux-là qui sont rejetés et qui ont rencontré le rejeté et qui ont eu la foi de l'enlèvement, l'huile dans la lampe, les vierges sages qui sont devenues l'épouse. Amen. Ceux-là sera pourchassé. Mais il y aura un cours. Ah, oh Seigneur, ça vient avant la disparition. Avant l'enlèvement, nous serons persécutés. Comment saurais-je que je vais disparaître? Tu vas commencer à voir tes frères qui étaient morts. Allez lire ça ou écouter la bande sortie du camp. Vous allez d'abord voir vos frères. Tu verras le pasteur Raph, le frère Paché. Quand tu vas voir tes frères, dis-toi que tu seras enlevé. Mais si toi tu ne vois rien, mais un frère te dit j'ai vu le frère tel, un autre frère te dit j'ai vu un mort, et toi tu ne vois pas, tu es déjà resté, d'office resté. Donc tu n'avais pas eu cette foi-là. Or, pour avoir cette foi, vous devrez d'abord être rejeté par les églises.
Comme les poux rejetés, vous êtes rejetés. Et vous aurez une foi qui est au-delà des églises. Une foi au-delà de la religion. Je n'appartiens pas à une religion. Je n'appartiens pas à une église. Je ne suis pas esclave d'un pasteur. Vous n'êtes pas mes esclaves. Vous êtes mes frères. Je ne vous domine de rien. C'est pour cela qu'on n'a pas d'église. Pour qu'il n'y ait pas de domination. Pour qu'il n'y ait pas de dynastie. Les Nicolaïtes conquérir les églises. Les laïcs, des voleurs, des anarchos, les vendeurs d'eau, vendeurs d'huile, vendeurs de pochettes. Mes amis, si je me mettais à me focaliser sur ce ministère-là, ngai par la grâce de Dieu, n'assemble la kamaye komi kisi. Soki bolingi na sali démonstration awa. On m'amène la bouteille, je me concentre, je prie, na faire goûter binouango. L'eau devient le médicament. Est-ce que j'ai déjà vendu de l'eau? Est-ce que j'ai déjà vendu de l'eau? C'est là que je vous dis que si je me focalise, savez-vous, quand nous avons prêché là-bas, il y avait deux gardiens. Non, un gardien qui a invité quelqu'un d'autre. Ils ont dit, c'est pas possible. On n'a jamais écouté. Lui, là, vraiment, il dit à Dieu, Eric, partout vous irez appeler nous. Vous n'avez pas d'église? Le Jésus d'aujourd'hui, c'est un Jésus qui se cache et qui se révèle dans la simplicité. Tu as quel souci ce matin? Je veux terminer. Tu as quel souci? Tu as quel problème? Que je puisse un peu descendre. Tu as quel souci? Tu as quel problème? Ceux qui m'écoutent, pas de AVC. Si quelque chose arrive, Dieu l'a permis. Pas de AVC. Dieu peut te créer de l'argent. Pas de soucis. Un fils de Dieu ne s'inquiète pas. Ne se lamente pas. Dites amen à cela. Oh, parce que ceci, Moutou passe, Yawapi. Avec les voix de tonnerre, qu'est-ce qui est impossible? Tu veux quoi? Dieu qui a chargé la batterie, il ne peut pas arranger ton problème? Est-ce que tu es rejeté par la famille? Tu es dans la tombe? Tu es condamné? Tu es un brigand? Tu es un malade? Ce matin, dis-moi ce qui ne va pas. Le fils de l'homme qui est venu, je peux dire comme Branham, il est ici. Et le fils de l'homme vient guérir, vient rétablir, vient sauver, vient restaurer. Dites amen à cela. Ayez foi. L'huile dans la lampe. Ce qui va arriver, mes amis, ça doit commencer dès maintenant. Par la grâce de Dieu, moi je crois que je ne fais pas de l'épouse parce que je suis rejeté et je suis sorti des églises. Et j'aimerais aussi vous amener à ce même point. Ne comptez pas seulement sur le frère Bateta. Le frère Bateta, lui aussi, compte sur quelque chose d'autre, qui est Christ lui-même. Je sais très bien, quand tu es arrivé à un point où tu n'arrives plus, là tu peux me faire appel. En tant qu'un aide, viens m'aider. Mais je vous amène à être capable de se tenir debout vous-même avec le pouvoir d'Adam. Et maintenant, quand vous allez commencer à prier, dites Dieu, toi qui avais chargé la batterie, charge mon âme de la vertu du Saint-Esprit. Toi qui avais électrifié la planche, je veux quasiment... Alléluia! Je ne veux pas vous voir quand vous êtes là avec les inquiétudes. Non! Tu es une fille du roi. Tu as quel souci? Ce matin, je m'adresse à la femme samaritaine. Je m'adresse à Lazare. Je m'adresse au brigand à la croix.
C'est à toi que je m'adresse. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te pousse dans la souillure? Parfois, ce n'est pas toi-même. Pourquoi les choses ne marchent pas? Qui est ce sorcier qui est plus puissant que Dieu? Montre-le-moi. Montre-le-moi ce sorcier-là. Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Ce matin, le Saint-Esprit te relève. Ce matin, le Saint-Esprit n'a pas parlé des justes. Ce matin, il a parlé de ceux qui sont abandonnés, qui sont rejetés, qui ne savent plus quoi faire. Il y a des gens qui sont assis, qui ne savent plus quoi faire. Il y a le secours. Il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Tu penses que tu es fini, tu n'es pas fini. Nazong Elango, tu n'es pas fini. Nani Esilite. Le jour que je te mettrai sous sol, je dirai que c'est terminé. Mais si longtemps tu vis, il y a de l'espoir. Peu importe ta condition, peu importe la tombe, tu sortiras de là. Même si tu étais condamné à la croix, aujourd'hui, tu auras la foi de l'enlèvement. Alléluia. Même si nous serons levés. Oui, monsieur, c'est avec ça. Et c'est vous. Citation, l'exposé seulement. Nous allons terminer seulement avec l'exposé. Écoutez ceci. Ça, c'est mon cheval de bataille. Je crois, moi, par la grâce de Dieu, je rencontrerai Jésus. Mais avant de le rencontrer, j'ai reçu d'abord, écoutez, cette tâche de Laodicée se termine par une disparition complète de la parole. Donc, si vous êtes dans l'âge de Laodicée, vous n'avez pas la parole. C'est pour cela que vous voyez que, Yoma, ce qui oblige le Seigneur à se retirer, il est à l'extérieur, d'où il a appelle les siens, ceux qui le suivent en obéissant à la parole. Après une manifestation puissante de l'esprit, pendant un court moment, ce petit groupe pourchassé et persécuté ira rejoindre Jésus. Il y aura un temps. Ou ceci. La première partie l'a déjà accompli. Hein? Mais après ici, une manifestation puissante de l'esprit pendant un court moment, le troisième pour dans sa plénitude. Ce petit groupe, pas la masse, petit groupe, pourchassé et persécuté, ira rejoindre Jésus. Maintenant, comment vous les églises qui voulaient toujours vous associer avec les corbeaux, vous ne serez pas persécutés. Ceux qui seront persécutés, c'est ceux qui ont rejeté toutes les religions, qui ne sont ni chrétiens, ni bouddhistes, ni musulmans, mais qui ne sont que les fils de Dieu. Ils vont refuser de rentrer dans le communisme. Ils vont refuser de rentrer dans leur dénomination. Et c'est eux qui seront pourchassés. Après, qu'est-ce qui va arriver? Une démonstration. Une manifestation de puissance de l'esprit. C'est à ce moment-là que le troisième pôle va se manifester dans sa plénitude. Mais nous avons déjà vu ça. La batterie. Nous avons déjà vu ça, la batterie chargée. Mais le temps viendra où nous serons pourchassés, persécutés. Avant que cela n'arrive, il te faut Jésus dans le cœur. Les gens vont trahir. Toi, tu étais comme saisir les pierres avant le Saint-Esprit. Tu étais avec... Non, je ne le connais pas. Les gens feront ça. Il y a des tabernacles qui vont accepter. Ils vont continuer à prêcher. Mais c'est déjà terminé. Et avant que cela n'arrive, le Saint-Esprit nous enseigne de quitter tous ces systèmes religieux. Même si tu es rejeté, accepte ça.
je préférerais qu'on me rejette. Mes chers amis, quand j'avais cru ce message, j'ai laissé mes amis quand faisaient la musique. J'ai déchiré les posters dans la chambre. J'ai jeté les cassettes du rap. J'avais fui l'école au lycée technique. Pourquoi? Parce que je me disais, avec nos amis qu'on faisait la pagaille, on se rassemblait souvent au lycée technique. Si je vais là-bas, je serai encore entraîné. J'ai abandonné. J'étais sorti du camp. Mon propre père m'a vu évangéliser. Il dit, ça c'est Jonas. Il est maintenant fou. Mon propre grand frère. Il dit, Jonas, mais je ne comprends pas. Toi, tu t'habillais bien. Tu es seulement avec la Bible, c'est quoi? Il prend la Bible, là, il frappe. Aujourd'hui, moi, quand on disait que j'étais fou, moi, quand on pensait qu'il y avait, ça ne va pas. Aujourd'hui, mon grand frère, là, m'appelle l'ange. Mon père m'appelle Joseph. Hein? Mais à cette époque-là, eux, ils ne comprenaient pas encore. Mais aujourd'hui, ils ont cru le message. Donc, quand vous rejetez premièrement les choses du monde, les gens du monde se moquent de vous. Et quand vous allez maintenant rejeter la deuxième partie, maman est le commandé deuxième partie. La première partie, c'est la famille qui s'attaque à toi. C'est les amis. Mais la deuxième partie, c'est les propres religieux. Les frères religieux. Parce que tu quittes de là où ils sont. Et seuls ceux-là qui ont quitté le camp, qui sont sortis du camp où ils étaient, qui recevront Christ et qui aura la foi de l'enlèvement. Et vous, par la grâce de Dieu, vous faites partie de ceux-là. Je dis, vous faites partie de ceux-là. On peut faire une année, on ne se rassemble pas. Je sais qu'il y a ceux qui ne seront pas rétrogradés. Le jour qu'on dira lieu de rassemblement, ils viendront pour écouter la parole. On n'écoute pas la parole à l'église. On écoute la parole partout. Moi, j'écoute Frère Branham. Je me lave, je mets Frère Branham dans mon téléphone. Jesus. Je finis, je prends le téléphone, je rentre dans ma chambre, je m'habille. Frère Branham, je rentre dans la voiture. Frère Branham, je suis partout la parole. Donc, je n'ai pas une réunion de, je n'ai pas un jour de culte. Chaque jour, j'ai culte. Dites amen. Personne ne me pousse à prier. La prière, ce n'est pas venir, on va prier. Non. Le cœur me dit, prie, je prie. Réveille-toi 24 heures, prie, je prie. Réveille-toi 6 heures, prie, je prie. Aujourd'hui, tu ne sors pas, tu restes ici. Je reste, je ne sors pas. Voilà les gens qui sont conduits par l'esprit. Et j'aimerais que vous soyez ainsi. Ne vous en faites pas. Quand les gens n'ont pas encore compris, ils vont vous rejeter. Ils vont se moquer de vous. Mais le jour qu'ils comprendront, il vous appellera les anges comme mon grand frère. Il vous appellera Joseph comme mon père. Que le Père de lumière vous bénisse.